achetant une barre de chocolat. C'est qui fait du bruit? C'est que 2h de l'après-midi. Attendez un peu. C'est encore le 31 octobre. Ça signifie que c'est le début de l'effrayante période des farces d'Halloween de Sœur Jane. La première farce sera un ballon en fantôme en drap blanc. Faut pas oublier le visage effrayant. Alors, effrayant. Alors allons-y. Il faut être très très silencieux. Oh voilà la petite sœur. Je peux accrocher un fantôme juste au-dessus de sa tête pour que ça soit la première chose qu'on voit qu'elle ouvre les yeux. Le fantôme le remorquera ses mains et ils porteront des gants de mandat rouge effrayant. Elle voudra se laver et me retrouver. Mais il n'ira pas loin avec des bonbons ronds sous ses pieds. Ensuite, la partie la plus cool. Ma verte sur une assiette. Oui, ce slime, il va tomber la tête la première dedans. Et maintenant, la touche finale. Un mur de briques ensemble dans l'allée. Allons regarder et rigoler. Oh, quelle belle matinée. Mon Dieu, quel jour de monstre est-ce? Est-ce que je suis un monstre? Non, ce ne sont que des gants. Oh, oh, c'est bien Ben. Oh, non, je tombe. Et moi, j'espère que ce n'est pas de la mort. Ça y est, Ben, je vais t'avoir. Je viens de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un passage ici. Oh, wow, ouais. Bonjour, sœurette. Joyeux Halloween. Tu t'es réveillée de mauvaise humeur, toi. Quelle émission cool, je ne peux pas en détacher les yeux. Nous devrions manger quelque chose pour le petit déjeuner. Oh, du lait. Ouais. On a juste des céréales pour le petit déjeuner. Super. Mais voilà, Sœur Jane est tellement prise par l'émission en ce moment que je ne peux pas m'empêcher de lui faire une farce. Je vais verser toutes les céréales sucrées dans mon assiette. Mais j'ai quelque chose d'un peu plus intéressant pour la sœur. Des verres de goutin. Maintenant, nous allons tout verser dans un paquet de céréales vides. Elle le donner à Jane pour qu'elle le goûte. Jusqu'à qu'elle aimera ce petit déjeuner. C'est bien, nous sommes prêts à servir. Hé, sœur, moi j'ai préparé tout ce qui est fait pour ton petit déjeuner. Voici ta tasse, ton lait et des céréales. Bon appétit. Oh, comme c'est gentil, merci mon frère. Je viens d'avoir un père d'une nouvelle émission très cool. Je l'ai regardé toute la matinée, je peux pas m'arrêter. J'ai pas compris mon petit déjeuner. J'adore les céréales avec du lait. Oh, ça trouve que j'ai vraiment faim. Une si belle odeur. Oh, c'est dégoûtant. Ah, t'as mangé des verres au petit déjeuner. J'ai trouvé une idée géniale pour faire une farce à mon frère. Faisons une fausse table avec une nappe noire percée d'un trou pour son visage. Je vais mettre du pop-corn dessus. Je vais faire un maquillage effrayant. Maintenant, je peux lui faire peur. Ou un saut entier de pop-corn, cool. Maintenant, je vais bien manger. C'est cool. Oh, c'est suspect, ça. Mais j'ai vraiment envie. Aïe. Oh non, mais c'est qui m'a mordu? Ouais, je suis un monstre de pop-corn. Tu peux pas le manger. Ne me mange pas. Une nouvelle idée sympa pour une farce merveilleuse. J'ai reçu un faux bras récemment et j'ai en train de décorer la pièce d'Halloween. Ce serait drôle si je perçais accidentellement mon bras. Juste besoin de mettre un faux bras. C'est parfait, je vais aller aider ma sœur. Jane, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te donner un coup de main, j'ai apporté mes outils avec moi. Je perçais des trous dans le mur pour les clouer en rien de temps. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec mon... Oh non, maman, j'ai perdu mon bras. Mon Dieu, est-ce que vraiment du bras de Ben? C'est une fausse main. Oh, il n'est pas mauvais pour faire des farces. Oh, mais j'ai une meilleure idée. Je vais lui faire une farce avec un séro artificiel. Pour cela, j'ai besoin de bandages sans planter. Et j'ai besoin d'un faux sarrange de tomber les bandages. Et je cache tout sur la perruque. Pourquoi Wednesday a pris le couteau? Mon Dieu, regardez des films d'horreur à l'heure du coucher. J'ai une mauvaise idée. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Jane, tu viens de regarder un film avec moi? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai pas envie de donner des chips. Alors, je vais te tirer les cheveux.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai une tare au cerveau. Mon Dieu. Vas-y. Une nouvelle idée pour faire face à Frère Ben. Je vais sculpter un visage effrayant dans une petite fouille qui lui fera vraiment peur. Voici les yeux. Et maintenant, la bouche. Génial. Il faut que je mette une bougie à l'intérieur et c'est terminé. Il faut maintenant placer notre monstre en forme de citrouille sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage a l'air encore plus effrayant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut laisser des empreintes de pas ensanglantées. Comme si un monstre se cachait sous le lit. Maintenant, il faut s'enfuir avant que Ben n'arrive. Ma chanson préférée est en train de jouer. Ouais. Ça, c'est mon moment préféré. Ouah. Ouais, c'est quoi ces drôles de pas? Et pourquoi elle me suit sous mon lit? J'ai peur. C'est qui sous le lit? Mon Dieu. J'ai un monstre sous mon lit. Voici vos colis. Vous pouvez démonter. Merci, monsieur le livreur voyant, ce que j'ai dans ma boîte. Oh, waouh, c'est rose, c'est parfait, me convient parfaitement pour enlever l'étoile d'araignée de ma maison préférée. Quelle énorme araignée! Si seulement les chevilles ne paraissent pas d'une telle erreur! Waouh, c'est une énorme araignée! Tiens-toi ici, monstre! Maintenant, je vais amener toutes les araignées à la prison de l'aspirateur. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Les gars en caoutchouc, yes. Hein? On va enlever les ordures de ma future maison de rêve. À bas la toile. Nice. Et excellent. Waouh, Kim. Ouais, je sais que je suis vraiment génial. Quel bel gosse. Oh, ce tapis rose, j'en ai besoin pour la décoration de la maison. Et voilà. J'utilise la graffeuse et je commence à couvrir la maison. J'aime tellement cette couleur et elle met parfaitement en valeur mon nouvelle carte rose. Ce cœur sera incroyable à regarder sur le toit de la maison. Tellement sera que c'est la belle gosse Kim qui vit ici. Et maintenant, je fais un peu lisser les cheveux, mais pas pour moi, mais sur la maison. Ça nécessite la même soin que je me fais pour être toujours belle. Ma maison est prête. Qu'est-ce que Kim a fait? Ou une boule de laine rose. Maintenant, je vais vous montrer le design cool de la maison. Et pour ça, j'ai besoin de plus Pringles. Je savais que ce n'était pas pour rien que je mangeais Pringles toute ma vie et que je collectionnais ces canettes. Et voilà. J'ai besoin de ces marmelades. C'est tout. Oh, les Oreos, j'adore ce biscuit. Alors, on va le coller sur le toit. Oh, ça a l'air bien ici. Et la case à coucher. Voilà. Mia, qu'est-ce que tu fais? Moi, je gonfle les ballons. Et oui, ça va parfaitement pour la construction de ma maison. C'est nécessaire de gonfler tous les ballons pour que la maison soit assez grande. Et le dernier? Oh, je suis un peu fatiguée. Je vois les étoiles. Mon Dieu, Mia, ça va? Tout va bien. Je vais décorer ma maison. Commençons par le bas et allons jusqu'au sommet. Les ballons me rappellent de longues saucisses. C'est tellement drôle! Ma maison sera si aérée et lumineuse! Oh, tes maisons sont si brillantes! Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Mes bananes sont si délicieuses, mais j'ai besoin de plus! Nous creusons un trou et mettons une banane à l'intérieur! Excellent! Maintenant, nous arrosons tout et attendons! Wow! Il a l'air bon cool. Waouh. Et voici mes bananes préférées. Oui, j'ai besoin de cela pour me reposer. Je couvre la tête pour que le soleil ne me frappe pas. Et je bois un délicieux cocktail. Génial. Oh, waouh, des bananes. Je pense que la voisine ne me rendrangerait pas si je mangeais quelque chose. Oh, salut Mia. Elle m'a volé. Je n'étais pas là. Donc, il est urgent de trouver quelque chose dans la cour. C'est vrai. J'ai une voiture, mais où va-t-elle rouler? Oh oui, maintenant je vais construire un énorme toboggan de course. Wow, comme c'est cool. Je vais mettre la machine. Et ouais. Ou alors roule si vite. Super, j'adore les voitures. Tu viens avec moi?
Avec toi, c'est jouer pour enfants. J'ai quelque chose de plus intéressant aussi. Il y a un petit ensemble d'outils et des parties de même balançoire. Il suffit d'assembler. Je peux faire un deux comptes. C'est fait. Mes balançoires sont assemblés. Vous pouvez jouer à ma licorne. C'était que je manque exactement boîte aux lettres et je sais comment je vais recevoir des lettres de fin. Oh, waouh! Je suis besoin d'une boîte aux lettres. Oh, oui! J'ai beaucoup d'amis dans les autres pays différents. Oh, regardez, une fleur. C'est vraiment parfait, très beau. Oh, waouh, c'est marrant, j'ai aussi une bonne idée. Rencontrez Bob l'hippopotame. Il va garder mon courrier. Hello. Bonjour tout le monde, je suis le facteur Sam et je vous ai apporté le courrier. Quelle boîte à lettres ensoleillée, mademoiselle, voici votre lettre. Bonjour, monsieur Den, je vous ai aussi apporté une lettre. J'espère que c'est joyeux. Voyez, ça fait mal. Je n'apporterai plus de courrier, change de boîte. Qui vit ici? Oh mon Dieu, quelle jolie fille. Je suis... Désolée, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est un peu embarrassant. Voici votre lettre, mademoiselle. Merci, monsieur. Bye bye. Je dois partir, on se voit dans une semaine. Oh, des voitures ne me plaisent pas. C'est vrai, je n'ai rien fait à la maison. Faut plutôt faire une chambre de rêve. Ouais, comme c'est vide ici. J'ai vraiment besoin de quelque chose de cool. Et je commençais par les murs. La peinture bleue sur les murs aura l'air parfaite. On va tout peindre. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et continuer. C'est vrai, en tapis. Des puzzles doux seront exactement gardés dans la chambre d'un vrai gars. Super. Alors, il y aura un mur avec mes jouets. Mais en fait, c'est génial. Super, on va te peindre pour que tout le monde sache que je suis cool et que je ne joue qu'avec des jouets cool. Et oui, j'ai pas oublié Aggie Waggy. Quelques-uns de mes tableaux sur le mur. Les cristaux ne seront jamais superflus. Mais avec cela, vous devez être prudent. Elle se tiendra ici, parfait sous la forme d'une table. Ouais, voilà. Une maison pour mon hamster. Voici mon petit hamster Pete. Il vivra avec moi. La chaise est pour moi. Comme tout est prêt. Cool. Mais maintenant, vous pouvez vous détendre et vous amuser avec mon petit ami. Il me porte chance dans les jeux. J'ai une vraie chambre de rêve. Je suis tellement content. C'est incroyablement cool. Je suis équipé ma chambre comme belle. Pour commencer, je vais mettre la manicure en ordre. Oh, ces ongles roses vont rendre tout le monde fou. Pourquoi les murs sont-ils si blancs? What? Ça ne marchera pas comme ça. Urgent, urgent, un photo coloré en rose. C'est mignon. Maintenant, je vais dessiner des cœurs dans toute la pièce. C'est tellement mignon. Comme moi. Hein? Oh, génial. Nice. C'est quoi ça en ce vide? Un sacron. Maintenant, la tendance des tapis roses. Un couple de cœurs, une belle guirlande ne sera pas superflue. Excellent. Je vois de beaux baisers à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est une girafe rose avec des bras super longs. Oh! Hein? Mon image de toi. Cette table aura fière allure ici. Je n'ai nulle part où mettre mes affaires. Ok. Et s'il y aura une jolie table avec un miroir pour que je puisse être belle tous les jours. Bon, il faut que je mette à jour le maquillage. Je suis superbe. Mes cheveux sont les plus doux. Et un bon parfum est la clé du succès. Alors, nous ne nous épargnons pas. Super, ma chambre est prête. Elle est la plus belle de toutes. J'ai presque oublié de vous présenter une autre beauté dans cette maison. C'est mon chat Martha. Elle va vivre avec moi. J'ai même trouvé un lit pour elle. Elle est si mignon. Ces murs-blancs me mettent dans la tristesse. L'urgent de le réparer. J'ai déjà une bonne idée. Pour commencer, je vais prendre les murs en jaune pour devenir plus lumineux et plus positif. Je vais verser la peinture et je vais la transporter avec un rouleau. J'adore colorer les murs et les peindre. Et je vais dessiner le soleil. C'est moi qui vous envoie des rayons de bonté et de sourire.
beauté. Et maintenant, il faut tout prendre rapidement. C'est un jeûne parfait. Mais je n'aime pas m'asseoir sur le sol. Faut ajouter quelque chose de doux. Par exemple, du sable. J'adore le sable de plage. Il est si doux et si chaud. Comme c'est génial. Maintenant, sur les murs des affiches. J'ai cette fleur délicate. Et un canard cool. Voilà, c'est prêt. J'ai failli oublier. Le canard en peluche, asseyez-vous et on vous met ici. La table sera parfaite ici. J'ai aussi besoin d'une petite chaise. Ce cercle gonflable jaune est parfait. C'est tellement cool que je voulais même jouer au ukulélé. Vous aimez bien? Je vais faire un concert plus tard. Et en attendant, voilà. Les fleurs au plafond seront parfaites. Et une photo de mon animal de compagnie préféré. Il est si mignon, je l'adore. En fait, où est Richie? Richie, viens. Salut mon pote, jouant. T'aimes jouer, n'est-ce pas? Chante, Richie. Oh, tu sens bien la musique. Écris dans les commentaires, qu'est-ce que t'as aimé le plus? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai faim. Nous attendons tes instructions. Je veux qu'on prépare des pâtes au premier tour. Des pâtes? D'accord. Ouais. Ok. Mamie, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Des nouilles? Des pâtes? Bien sûr. J'ai déjà fait des spaghettis. Bon, et de nombreuses fois. Il n'y a donc rien de difficile. C'est la recette classique. Ah, désolée. C'est de la farine. Ouais, t'inquiète. Encore désolée. C'est juste que j'ai envie de faire mes propres spaghettis. Après la farine, les œufs un peu oranges. Je peux même jongler avec eux. Oh, 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 stop. Encore une fois, pardonnez-moi. J'ai toujours pensé que je faisais un assez bon jongleur. Eh bien, quand la pâte est prête, je dois les diviser en petites boules et colorer chacun d'elles d'une couleur spécifique. Ensuite, à l'aide d'une machine spéciale, je découpe la pâte pour en faire les nouilles elles-mêmes ou les pâtes. Pour cela, il suffit de faire rouler doucement la pâte dans cette machine. Je trouve que ça donne un résultat vraiment sympa. Et surtout, c'est original. Tout le monde aura des pâtes et les miennes seront des spaghettis en forme de fleurs. C'est super. Ma petite fille a toujours aimé les spaghettis nature avec du ketchup, alors pourquoi ne pas lui proposer ça? Wednesday, il ne reste plus que toi. Chose, j'ai besoin de ton aide. Je ne veux pas que mes nouilles aient le même goût que les nouilles classiques. Pour moi, c'est trop clair. Si j'ajoute un peu de colorant noir, ce sera parfait. J'ajouterai aussi du ketchup. Ça jouera le rôle du sang. D'ailleurs, un peu, je coulerai des yeux de jelly bean pour compléter la composition. T'es prête? Come on. Je ne sais même pas par où commencer. Je pense que la première chose que je vais essayer, ce sont des pâtes classiques de mamie. J'adore ça depuis que je suis toute petite. Je sais pas ce que ça ne sera pas différent cette fois-ci. Comme je le pensais, c'est bon, délicieux et simple. Ensuite, il y a des pâtes de nid. Elles se sont avérées, bien sûr, réellement belles et très mignonnes. C'est une véritable œuvre d'art. What? Tu n'as même pas envie de la manger. Il y a également ajouté des pâtes supplémentaires. Oh oui, je suis comme un vampire. Des crocs de vampire. Oh, non, c'est steak. Ouais, alors, les pâtes de Wednesday. C'est vraiment son style. Je vais goûter son œil. Est-ce que c'est un marmelade? Ah, j'adore les yeux comme ça. Wednesday, comment t'as compris que ça se marie très bien avec les pâtes? C'est super bon. J'adore. Oui, je vais finir tout cela. Je pense que le gagnant évident, les meilleures pâtes ont été faites par Wednesday. Non, mon outil, je faisais des efforts. Wednesday, range ça tout de suite. Arrête de faire peur à la vieille dame. Ouais, t'es déjà prêt de donner une nouvelle mission? Oui, je veux un cocktail. Vous pouvez le faire. Facile. Ce sera son meilleur. Pour toi, petite fille, tout pour toi. Okay. Je sais comment faire de cocktail maintenant, je voulais en faire que vous ne verrez jamais de votre vie. La pâte de ce cocktail est un sprite ordinaire. Faut le verser dans un verre de cette forme inhabituelle. Maintenant, tu dois verser l'ingrédient secret à l'intérieur qui donnera à un sprite la couleur dont elle a besoin. Elle deviendra vert. Coucou. Chose courte au tuile chez Enid et va me chercher de la crème. Est-ce que c'est cette main du diable, sœur de la...
Mamie, non, il faut pas insulter mon assistante. Cette chose ne fait que ce que je lui dis de faire. J'ai besoin de la crème pour vaisselle, que le cocktail et ensuite mettre les yeux en gelée sur le dessus. Je dois admettre que les yeux en gelée sont ma friandise préférée. Ça a l'air cool et c'est aussi incroyablement délicieux. Un petit en rouge ne ferait pas de mal non plus. Qu'est-ce que j'attends? C'est temps pour moi de commencer à préparer un cocktail pour moi aussi. Il faut absolument commencer par le bonbon et la marmelade. Tout d'abord, nous devons les répartir en coupes de couleurs. C'est fait, il faut maintenant les superposer dans un grand verre. Regardez quand c'est beau! Avec un sèche-cheveux, il faut faire fondre ces marmelades pour qu'ils se transforment en une masse homogène. Et la dernière étape, c'est la crème fouettée. Elle donne toujours un boisson une sorte d'aspect plus présentable. Un peu de marmelade ne sera pas superflu non plus. Superbe! Vous avez fait de beaux et délicieux cocktails. Sauf qu'on n'avait pas du tout pensé à la santé de ma petite fille. Je vais préparer un cocktail qui sera avant tout beau pour la santé. Il sera composé de différents légumes que je vais mettre dans ce mixeur. Et plus il y en a, mieux c'est! Je vais en mettre le plus possible. C'est fait. Ouais, comme ça sent bon. Horrible. C'est vrai. Oh, man! Non, arrêtez. Ma petite fille va adorer. Il est temps de choisir un gagnant. Yeah! Tous les cocktails ont l'air plutôt bons. Le cocktail de mamie a l'air le plus ordinaire. Alors, c'est par lui que je vais commencer. Oh, c'est horrible. J'espère que le cocktail lui-même me plaira. Ouais, c'est dégoûtant, mamie, tu ne peux pas boire ça. Alors, le prochain, ce sera le cocktail de Nid. Elle a l'air tellement plus savoureux. J'adore la crème fouettée, il y en a beaucoup. Il ne faut pas boire le cocktail, il faut manger avec une cuillère. Après tout, tu ne peux pas rater une gamme de délicieuses crèmes fouettées. Non, plus de crème fouettée, tu peux prendre la paille. C'est étrange, pourquoi le cocktail est si épais? C'est impossible à boire. Et comment je peux donner la victoire à un cocktail que je n'ai même pas essayé? Pas question, c'est difficilement raté. Wednesday, tous les espoirs reposent sur toi. Je vais l'essayer tout de suite. Enfin, un peu de gourmandise. J'aimerais bien boire ce cocktail régulièrement parce qu'il est vraiment délicieux. Pour l'instant, je ne veux pas m'arrêter. Oh, comme c'est bon. Et c'est qui gagne? Bien sûr que c'est Wednesday. Oui, génial. Petite fille, quelle tâche nous attend dans cette épreuve? Mamie, c'est très simple. Fais-moi une salade. Je veux quelque chose de léger. Une salade, d'accord. Dans quelques minutes, tu auras la meilleure salade de ta vie. Oui, j'ai des feuilles. Des feuilles de salade, oui. Que ce soit la base de la salade. Ensuite, ça sera du fromage et la chapelure, apparemment. Même moi, je connais la recette de ta salade, César. Faut pas oublier des tomates cerises juteuses, elles seront la décoration de la salade. J'ai tout préparé. Génial, je trouvais comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Je vais reprendre le thème des fleurs et faire de petites, mais très jolies fleurs avec des légumes. J'ai aussi les bons moules. Je trouve que c'est une excellente idée, car cela ressemble à un vrai bouquet. C'est une délicieuse salade. Oh, j'adore ces fleurs. Oh, quelle fleur, sérieux, elle manque à la salade quelque chose de sombre. Au moins quelques feuilles de basilic, par exemple. Je suis amoureuse de cette demeure. Heureux, je vais rester sur l'assiette. Et c'est sur cette tête bon, que je supposerai les autres ingrédients, le fromage, le jambon. Il faut maintenant arroser le tout de ketchup. Et en serrer deux yeux. Le crâne commence à avoir l'air beaucoup plus intéressant. C'est horrible. Si j'en voyais en la nuit, je serais terrifiée. Mais ce n'est pas moi de décider, c'est à notre petite fille. Oui, encore de la bonne nourriture. Wednesday, qu'est-ce que t'as préparé cette fois-ci? Non, quelle horrible chose à faire. Ce n'est pas seulement quelque chose à manger, c'est brillant même à toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle va me surprendre? Ouais, j'adore. J'aime bien cette salade. Je ne peux même pas m'arrêter. Oui, je veux vider l'assiette. C'est vraiment très bon. Ouais. Maintenant, je vais être très fort. Maintenant, je vais goûter le fleur de Nid. Ouais, c'est pas bon, c'est juste des légumes. Mamie, t'as gagné. Mamie, arrête. Je veux un beignet pour le dessert. Je vais te donner un beignet. Moi aussi, j'adore ça. Alors, je peux en faire un aussi. J'imagine à quel point les beignets seraient mieux et silencieux. Et pourquoi? De toute façon, l'essentiel, c'est que ce soit savoureux.
Elles n'ont pas regardé de beignet après tout. J'ai encore fait quelque chose de coloré. Plus précisément, chacun de mes minutes sera d'une couleur différente. En général, les gens aiment cette approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups. Ne t'approche pas de moi. Ne me distrais pas de ma cuisson. Mes beignets sont sur le point d'être prêts. Une partie de travail faite, c'est les maintenant temps de décorer. Bien sûr, je peux me passer du sirop de fraise rouge. On dirait vraiment du sang. Mais ce n'est pas tout. Je vais utiliser le glaçage blanc pour dessiner une toile d'araignée. C'est comme si j'avais sorti ces beignets d'un nid d'araignée. Chose, j'ai besoin de Nutella. On va la chercher. Come on. Bravo. Sans toi, j'aurais fabriqué une souris volante comme ça. Regarde comme c'est cool. Ouais, la tête, j'en ai pas besoin. Oui, ce sont des vrais beignets. Ouais, intéressant. J'aime pas trop décorer les beignets. Pour leur donner un goût plus intéressant, je vais juste poudrer du sucre glace sur les beignets. Tout le monde ici adore ça. Alors ma petite fille sera contente, elle aussi. Mes beignets colorés sont prêts aussi. Ils sont si jolis. Je peux même prendre des photos avec eux maintenant. Comme c'est cool. Mais ce n'est pas tout. Les beignets comme ça seraient parfaits avec les beignets. Il n'y a pas qu'à l'ouvrir. Oh. Maintenant, ma langue est couverte de bonbons. Oui, il faut choisir le gagnant. Yeah. Intéressant. Vous avez encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Pas mal. Mais j'avoue que je m'attendais à mieux. Les beignets de ma mamie sont les prochains. Avant de les manger, je veux constituer une petite tour. Ça sera beaucoup plus confortable de manger comme ça. Des beignets aux yeux délicieux, mais non rien spécial. Voyons ce qu'Enid me réserve. Ces beignets ressemblent plus à ceux que j'aime tant. C'est incroyablement délicieux. Enid, c'est une évidence ici. Tes beignets sont les meilleurs.